puissance there are many powers derrière l'oppression. Behind the oppression. Beaucoup de puissance derrière l'oppression. There are many powers before, le Seigneur behind peut the oppression. Mater tout ça. And the Lord is destroying all that. Va-t'en vite. Go away quickly. Oui, prenez. Oui, prenez. Reta Rabaka. Reste concentré, dis Seigneur, place-moi au milieu de Remain focused, say, God, set me on my high place. Pardonne-moi d'avoir hésité. Forgive me for having hesitated. Pardonne-moi d'avoir protégé le moi. Forgive me for having protected myself. Pardonne-moi. Forgive me. D'avoir protégé le moi. For having protected myself. Ota karabaka sakarabaka sakaba. Urabaka sakarabaka sakaba. Urakabaka sokarabaka. Urakabaka sakarabaka. Dis Seigneur, place-moi au milieu de l'église. Say, Lord, set me, settle me on my high places. Dis au Père. Say, oh Father. Place-moi. Put me. Tu me les élevés. On my high places. Pardonne mes années d'errance. Forgive my years of Pardonne wandering. Pardonne-moi quand je ne comprenais rien. Forgive me when I was not understanding anything. Pardonne-moi quand j'ai fui la souffrance. Forgive me when I was fleeing away of suffering. Fui la souffrance. I was fleeing away of suffering. Fui la souffrance. I was fleeing away of suffering. Fui les moqueries. I was fleeing away of mockeries. Fui les insultes. I was fleeing away of insults. J'ai gaspillé des années. Have wasted years. Comme Israël dans le désert. As Israel in the wilderness. Pour apprendre une seule leçon. To learn only one lesson. 40 années. 40 years. Pour apprendre une seule leçon. To learn only one lesson. Restez concentré. Remain focused. C'est un cri. It's a cry. Qui va toucher le cœur de ton Dieu. That will touch, move the heart of your God. C'est un cri. It's a cry. Il va monter au ciel. Which will go to heaven. C'est un cri. It's a cry. Qui monte au ciel. Which is going to heaven. C'est un cri. It's a cry. Qui monte au ciel. Which is going to heaven. C'est un cri. It's a cry. Qui monte au ciel. Which is going to heaven. C'est un cri. It's a cry. C'est un cri. It's a cry. Qui monte au ciel. Which is going to heaven. Dis Seigneur. Say Lord. Que toutes les positions. Let all the positions. Que l'ennemi a prises. That the enemy has taken. Soit arraché. Should be snatched from his hand. Should be snatched from his hand. Dis Seigneur. Say Lord. N'abandonne pas tes enfants. Do not abandon your children. Qui reviennent à toi. Who are coming back to you. N'abandonne pas tes enfants. Do not abandon your children. Qui reviennent à toi. Who are coming back to you. Dis au Père. So Father. N'abandonne pas tes enfants. Do not abandon your children. Qui reviennent à toi. Who are coming back to you. Oh Père. Oh Father. N'abandonne pas. Do not abandon tes enfants. Your children. Qui reviennent à toi. Who are coming back to you. Qui reviennent à toi. Who are coming back to you. Prions en langue. Let us pray in tongues. Prie en langue. Pray in tongues. Ora baka sharga baka sharga la baka sharga la baka sharga baka. Ora baka sharga la baka sharga la baka. Ora baka sharga la baka sharga. Ora baka sharga la baka sharga. Ora baka sharga la baka. Ora baka sharga la baka sharga la baka. Oh, j'ai canté à Ramazina. Dis Père. So, Father. Remplis-nous du Saint-Esprit. Fill us with the Holy Spirit. Remplis-nous du Saint-Esprit. Fill us with the Holy Spirit. Et remplis-nous du Saint-Esprit. Fill us with the Holy Spirit. Remplis-nous du Saint-Esprit. Fill us with the Holy Spirit. Enflamme nos dons. Inflame us. Enflamme nos dons. Inflame our gifts. Enflamme nos talents. Inflame our talents.
Prie en langue. Pray in tongues. 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 Prie avec ferveur, prions ensemble. Kerebaka sekara bakaseka, urabaka sekara bakaseka ba, urabaka sekara bakaseka ba, urabaka sekara bakaseka ba, urabaka sekara bakaseka, urabaka sekara bakaseka, urabaka jeka baka, urabaka seka bakaseka, urabaka sekara bakaseka, urabaka sekara bakaseka, urabaka sekara bakaseka, urabaka sekara bakaseka, urabaka seke reba kese, yeba 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 kese. Yeta, 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 glory to Alba Sama, Eya Kaseri, Kasewa, Uragabaka Seke, Uragabaka Seke, Uragabaka Seke, Uragabaka Seke. Dis Seigneur, say Lord, que tout ce que l'ennemi a volé, let all that the enemy has stolen, pendant les temps de désobéissance, during the times of disobedience, le temps de notre désobéissance, during the time of our disobedience, tout cela lui soit arraché. We snatch all of it out of his hands. Pose les mains sur ta tête. Lay your hand on your head. Dis Père. Say Father. Que tout ce qui m'a été volé me soit restitué maintenant May même. All that has been stolen from me should be restituted now. Quel que soit le domaine. Whatever the field. La santé physique. My physical health. La santé spirituelle. My spiritual health. Mes relations. My relationships. Tout. Everything. Continue à citer toi-même. Continue quoting them yourself. Lève ta main droite. Put out your right hand. Dis. Say. Au nom de Jésus. In the name of Jesus Christ. S'il y a un esprit, if there is a spirit, qui résistait jusqu'à cette heure, which was resisting till this time, dis-toi, esprit méchant, you wicked spirit, qui a résisté jusqu'à cette heure, who has resisted till this time. Pas de réclamation. True claims. Nous déclarons que tu es vaincu. We declare you are overcome. Nous déclarons que tu es vaincu. We declare you are overcome. Nous cassons ta résistance. We break your resistance. Et nous te sortons partout où tu es parti te cacher. And we move you out of any place you have gone and hidden yourself. Dans la terre, sous la terre, dans les eaux, sous les eaux. In the earth, under the earth, in the waters, and under the waters. Même si tu es dans le ventre de quelqu'un. Even if you are in the stomach of someone. Nous cassons ta résistance. We break your resistance.
Nous te renversons. We overthrow you. 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 Nous te couvrons de poussière. We put dust on you. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Et nous te chassons. Va-t'en. Go away. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Go away, go away. Va-t'en. Nous te renversons. Nous te renversons. Nous brisons tes appuis d'orgueil. Nous brisons ta résistance. Nous dispersons tes troupes. Va-t'en. Va, 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 va. Go, 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 go. Dieu, au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Nous saccageons le retranchement. We destroy your hidden place. Nous saccageons vos retranchements. We destroy your hidden place. Nous brisons vos appuis. We break your support. Nous dispersons vos unions. We scatter your unions. Et nous vous chassons, nous vous chassons, nous vous chassons. And we cast you out, we cast you out, we cast you out. Et nous arrachons tout ce que vous avez volé. Of your hand, all that you have stolen. Nous récupérons nos positions. We recover our positions. Et nous vous chassons, nous vous chassons, nous and vous chassons. And we cast you out, we cast you out, we cast you out. Nous vous chassons, we cast you out, we cast you out. Nous vous chassons, 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 we cast you out. We cast you out. Dieu, au nom de Jésus, in the name of Jesus. Nous jugeons tous les esprits de mort. We condemn all the spirits of death. Les esprits des morts, the spirit of the dead, qui habitent encore dans les membres, who les membres are still de leur famille, living in the members of the tu es family. Jugé. You are condemned. Tu es jugé. You are condemned. Va-t'en. Go away. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Va-t'en. Go away. Va-t'en. Go away. Tout esprit de mort habitant dans le corps living in the body des membres de la famille of a member of the family est jugé is condemned. Va-t'en. Go. Dieu, au nom de Jésus, in the name of Jesus, nous, d'un commun accord, in a common agreement, nous jugeons ceux qui résistent. We condemn and judge nous all jugeons ceux qui résistent. All those who are resisting. Nous saisissons vos victimes. We take your victims. Nous les arrachons de vos mains. We snatch them out of your nous vous enlevons de votre royaume. We remove them from your kingdom. De votre royaume des ténèbres. We take your kingdom des ténèbres de la forêt. The ténèbres of the des eaux. The darkness des ténèbres des eaux. The les ténèbres du séjour des morts. The darkness les ténèbres of the des abîmes. The darkness of the nous enlevons we remove toute personne que vous avez tenue captive. You have kept nous l'enlevons de ces ténèbres. We remove them from this au nom de darkness. Jésus. In the name of
Jesus. Nous cassons. We break. Tout ce qui vous sert d'appui. All that is your nous support. Nous brisons tout. We break everything. Et nous libérons les captifs. And we set the captives. Nous libérons les captifs. 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 We set the captives. Nous sèmons le désordre. Dans votre camp. In your camp. Nous vous frappons de confusion. We strike you with confusion. Prions en langue. Let rain tongues. Dieu au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. S'il y a un frère ou une sœur. If there is a sister or a brother. Sur qui l'ennemi a jeté le voile. On whom the enemy has thrown a veil. L'ennemi a jeté le voile. The enemy has thrown a veil. Pour voler ses visions et ses prophéties. To give him his visions and prophecies. Tu es jugé. You are condemned. Va-t'en. Go away. Dieu au nom de Jésus. Tell me the name of Jesus. Nous déchirons tous les voiles. We tear off all the veils. Nous déchirons tous les voiles sur la tête, all sur les yeux. All the veils on the head. Les voiles sur la tête, les voiles sur les yeux. The veils on the eyes. Les voiles, les voiles. Nous déchirons, 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 nous déchirons. Dis nous délivrons toute personne. Say we deliver anybody. Dont les visions ont été volées par les sorciers. Whose vision was stolen by the demons. Nous déchirons tout voile. We tear the veil. Jeté sur une femme ou un homme. Thrown on a man or a woman. Pour l'empêcher d'entendre et de voir la gloire de Dieu. To prevent him from hearing. Et nous jugeons. We condemn. Toute œuvre de Satan. All the works of Satan. Ayant pour but de voler les dons spirituels. Whose purpose is to steal the spiritual gifts. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Satan, va-t'en, va-t'en, va-t'en. Satan, go away, go away, go away, go away, go away. Va-t'en, va-t'en. Go, 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 go. Satan, va-t'en, 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 va-t'en. Go, 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 go. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Go. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Go, 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 Satan. Ora baka joro baka go baka joro baka go baka joro baka. Ora 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 baka joro baka go baka joro baka. Ere baka joro baka. Ora baka joro baka. Ere 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 baka joro baka seka baka. Ere 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 baka seka 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 seka. Holika holika baka seka seni. Gloria bakara masimana. Asseyez-vous. Sit down. Asseyez-vous, vous gardez silence. Sit down and keep quiet. Si la mort côtoie quelqu'un. If death is close to someone.
Si la mort côtoie quelqu'un. If death is close to someone. Je déclare que tu es libre. I declare you are free. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. L'ennemi ne réussira pas. The enemy will not succeed. L'ennemi ne réussira pas. The enemy will not succeed. Va-t'en! Go away. Va. Go. Si la mort if death côtoie quelqu'un is around someone, que tu bouges, elle est là. That you move is there. Tu dors, you sleep, elle est là. Is there. Je déclare, I declare que tu es libre, that you are free, au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ. Mort, death. Va-t'en. Go. Mort. Death. Va-t'en. Go. Va-t'en. Go. Urubaka sekarabaka sekarabaka. Va-t'en. Go away. Casse tes appuis. We break your support. Va-t'en, va-t'en, go, va-t'en, go, va-t'en. Go, go, go. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Go. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Go away. Écoutez. Listen. Écoutez. Listen. Lève ta main droite. Put up your right hand. Dis, nous jugeons. Say we condemn. Tous les démons. All the demons. Derrière le péché d'adultère. Behind the sin of adultery. Tous les démons. All the demons. Derrière le péché d'adultère. Behind the sin of adultery. Va-t'en. Go. We break your ties. Nous vous jugeons. We judge you. Que les captifs soient libérés. The captives are que les captifs soient libérés. The captives are que les captifs soient libérés. The captives are que les captifs soient libérés. We release the que les captifs soient libérés. We set them free. Que les captifs soient libérés. We set the captives que les captifs soient libérés. We set the captives free. Esprit méchant d'adultère. Wicked spirit of adultery. Nous te chassons. Va-t'en. We cast you out. Va-t'en, go, va-t'en, go, va-t'en. Go, 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 go. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Go away, go away. Sors. Leave. Et va-t'en. And go away. Gardez le calme. Keep quiet. Gardez le calme. Keep quiet. Soyez concentré. Remain focused. Tu es délogé. You are moved out. Tu es vaincu. You are overcome. Tu es délogé. You are moved out. Tu es vaincu. You are overcome. Tu ne resteras pas. You won't stay there. Tu ne resteras pas. You won't stay there. Va-t'en. Go away. Non, gardez le calme. No, 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 keep quiet. Tu
Tu as été vaincu à la croix. You have been overcome at the cross. Jésus t'a vaincu à la croix. Jesus has overcome you at the cross. Jésus t'a écrasé à la croix. Jesus has crushed you down at the cross. Jésus t'a exposé à la croix. Jesus. Jésus t'a exposé à la croix. Jesus has exposed you at the cross. Tout démon qui inspire le mensonge. So any demon which inspires lies. Tout démon qui inspire le mensonge. Any demon which inspires lies. Et qui a gardé quelqu'un captif du mensonge. And who has kept, which has kept someone captive of liars. De telle sorte qu'il ne sait pas comment s'en sortir. So that he does not know how to get out of it. Le mensonge, le mensonge. Lies, 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 lies. Je déclare que tu es libre. I declare you are free. Va-t'en vite. Go away quickly. Va-t'en vite. Vite, vite. Go away quickly, quickly. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus. Toi, méchant esprit. You wicked spirit. Qui donne les fausses prophéties. Who gives false prophecies. Qui donne un faux parler en langue. Who gives false speaking in tongues. Si tu es venu. If you have come. Parce qu'un faux prophète. Because a false prophet avait imposé les mains à quelqu'un. Had laid his hand on someone. Tu l'as suivi. And you followed him. C'est maintenant que tu dois partir. It's now that you are leaving. Si on a imposé les mains sur quelqu'un. If he had laid hand on someone. Un mauvais esprit l'a suivi. And a wicked, a bad spirit followed him. Pour donner les prophéties et les visions. To give prophecies and visions. Va-t'en! Go away! Gardez le calme. Keep quiet. Dis au nom de Jésus. Say in the name of Jesus.
Si tu es un esprit de serpent, if you are a spirit of snake, qui a suivi quelqu'un, which has followed someone, parce que le serpent est le totem, because the snake is the totem, ou parce que les parents ont adoré le serpent, or because the parents has worshipped the snake, esprit de serpent, spirit of snake, si tu suis quelqu'un, if you are following someone, parce que les parents t'ont adoré, because the parents has worshipped you, parce que la personne même t'a adoré, or because the person himself worshipped you, il a envoyé les présents or par l'intermédiaire de ses parents, ou bien il t'a envoyé des cadeaux, or I sent you some gift, par l'intermédiaire de ses parents, through his parents, il a envoyé l'argent, I sent money. Nous jugeons ce lien. We charge this tie. Nous jugeons ce lien. We condemn this tie. Et nous te chassons. And we cast you out. Va-t'en, 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 va-t'en. Go away, go away, go away, go away. Oui. Go away, go away, go away. Tu pars, tu pars, tu pars. Go, 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 go. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Go away. Va-t'en. Go away. Va-t'en vite. Go away quickly. Va-t'en vite. Go away quickly. Écoutez. Listen. Il faut frapper fort. Il y a une résistance. You must strike. C'est les esprits qui disent que on nous a adoré et ils sont des dieux. Dites, vous n'êtes pas des dieux. Say you are not gods. Vous êtes des voleurs. You are thieves. Dit notre Seigneur nous a enseigné. Say our Lord has taught us. Que le voleur ne vient que pour voler. That the thief comes only to steal. Pour tuer, pour égorger. To kill and slaughter. Dit vous êtes venu pour voler. You have come to steal. Vous êtes venu pour appauvrir. You have come to partez, make people partez, poor. Partez, partez, go, partez, go, partez. Go, 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 go. Partez. Partez! Go! Partez! Go away! Vous êtes venu pour voler. So you have come to steal. Vous êtes venu pour appauvrir. You have come to make people partez, poor. Partez, partez, leave, partez, leave, partez, leave. Partez, go, partez. Go, 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 go. Partez, partez, partez. Go, 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 go. Si nous jugeons l'adoration des serpents. So we condemn the worship of nous jugeons l'adoration des serpents. We condemn the worship of nous serpents. Jugeons l'adoration des serpents. We condemn the worship of serpents. Serpents, nous te chassons. Satan, we cast you out. Va-t'en. Go away. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Go, 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 leave. Va-t'en.
gardiens d'or de Jésus. Nous jugeons l'adoration de serpents. We condemn the worship of serpents. Nous jugeons l'adoration de serpents. We condemn the worship of snakes. Et nous jugeons l'observation de serpents. And we condemn the observations of snakes. Pour tirer des prophéties. To have prophecies. Pour tirer des pronostics. To have prophecies. Va. Leave. Va-t'en, va, va. Go, 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 go. Dieu au nom de Jésus. C'est le nom de Jésus. Nous insistons. We are insisting. Nous jugeons l'adoration de serpents. We condemn the worship of serpents. Dis, le Seigneur a dit que tu vas manger la poussière. The Lord said that you will eat the dust. Maintenant, il y a l'or dans ton ventre. Now les, there are gold diplômes, les bars, in your stomach, les habits de bagarre. Rings. Tu es jugé. You are condemned. Tu es jugé. You are condemned. Nous te ventrons. We open your stomach. Et nous coupons ta tête. And we cut your head. Nous chassons tous tes serviteurs. We cast out all the servants. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Va-t'en, va-t'en, va-t'en. Go, 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 go. Va-t'en. Go. Que tes esclaves. Your slaves. Ceux qui t'ont adoré. Those who worship you. Sois libre. Are released. Sois libre. Are released. Séparé de toi. Separated from you. Séparé de toi. Separated from you. Nous frayons devant chacun. We open the way before. Le chemin pour rencontrer Jésus. The way to meet Jesus. Nous frayons devant chacun. We open. Le chemin. Before each of pour them. Rencontrer Jésus. The way to meet Jesus. Le chemin. The way pour rencontrer Jésus. To meet Jesus. Nous frayons devant chacun. We open before le chemin. Everybody. Pour rencontrer Jésus. To meet Jesus. Pour rencontrer Jésus. To meet Jesus. Pour abakassara, abakassara. Les serpents jugés, dispersés. Snakes are condemned. Les serpents jugés. The snakes are condemned. Nous frayons devant chacun. We open la voie. The way. La voie. The way. Pour rencontrer Jésus. To meet Jesus. Pour rencontrer Jésus. To meet Jesus. Nous enlevons les obstacles sur le chemin. We remove obstacles on the way. Nous déclarons. And we declare. Tous les serpents taillés en pièces. All the snakes are cut que chaque into famille pieces. Soit libre. Every family are free. Que chaque famille soit libre. Every family are free. Dis serpent, je ne te veux pas dans ma famille. Say snake, I don't want you in my family. Ma famille appartient à Jésus. My family belongs dis, to je Jesus. Je donne ma famille à Jésus. I give my family to Jesus. Dis le nom de ta famille. Dis je donne ma famille à Jésus. Tell the name of your family and say I give dis, my family, family to Jesus. Dis je donne mon village à Jésus. I give my village to Jesus. Dis je donne mon village à Jésus. Say I give my village to Jesus. Rabakasharga. Je donne mon village à Jésus. Je donne tous les villages, tout le regroupement des villages à Jésus. Je les donne à Jésus, je les donne à Jésus. Je les donne à Jésus. Gardez le calme. Keep quiet. Si tu connais les noms des dieux de ton village, if you know the names of the gods of your village, tu vas les, tu dis le nom, tu les chasses, tu implantes, you tell the tu, name, tu appelles le règne de Jésus. You cast them out and you call Jesus rule. Si tu ne connais pas, if you don't know, tu dis vous les dieux. You say you gods. Les dieux que les parents ont adorés. The gods my parents
worshipped. Tu dis, je vous chasse. Say, I cast you out. Et je donne le village à Jésus. And I give a village to Jesus. Avec toutes les familles. With all the families. Tous les villages à Jésus. All the villages to avec Jesus. Toutes les familles. With all the families. Et nous insistons. So we insist. Tous les villages à Jésus. All the villages to et Jesus. Toutes les familles à Jésus. And all the families to Jesus. Continue à proclamer. Keep on proclaiming. Gardez le calme. Keep quiet. Gardez le calme. Keep quiet. Avant de continuer la prière, before continuing the prayer, j'avais promis, I had promised, aux invités, to the guests, qui veulent donner leur vie à Jésus, who wants to give their life to Jesus, on allait les appeler, that we are going to call them. Si tu veux donner ta vie à Jésus, lève la main. If si you tu want to give your life to Jesus, put up your hand. Viens. Yes, come. Venez. Come. Qui autre? Venez. Who else? Come. Venez rapidement. Come quickly. Venez. Come. Venez. Come quickly. Acclamez avec conviction. Venez, quittez le royaume du diable. Come, venez à Jésus. Leave the kingdom of the devil and come to Jesus. Vous voyez la guerre contre les démons. You see the war against demons. Quand tu ne donnes pas ta vie à Jésus, when you don't give your life to Jesus, tu es dans le camp de Satan. You are in the camp of Satan. Jésus a dit, celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Jesus said, the one who is not gathering with me is scattered. Tu dois être dans le camp de Jésus. You must be in the camp of tu Jesus. Tu ne dois pas être dans le camp des sorciers. You must not be in the camp of et witches démons. And demons. Quand tu es dans le camp de Satan, when you are in the camp of Satan, quand on juge les ennemis, when we judge the enemies, ça peut tomber sur toi. It can fall on you. Lève-toi vite et viens. Stand up quickly and come. Quand tu es dans le camp de Satan, you are in, when you are in the camp of Satan, quand on juge les démons, when we condemn the demons, ça peut tomber sur toi. It can fall on you. Alors que le plan de Dieu, while the plan of God,
C'est que tu sois un enfant de Dieu. Is that you be, you become a child of God. Qu'est-ce que tu fais dans le camp du diable? What are you doing in the camp of its devil? Il y a le camp de Jésus. There is a camp of Jesus. Il y a le camp du diable. And there is a camp qu'est-ce of the que devil. Tu fais dans what, le camp du diable? What are you doing in the camp of the devil? Lève-toi et viens à Jésus. Stand up and come to Jesus. Lève-toi et viens. Stand up and come to Jesus. Lève-toi et viens. Stand up and come to Jesus. Il y a le camp de Jésus. There is a camp of Jesus. Il y a le camp du diable. There is a camp of the devil. Qu'est-ce que tu fais dans le camp what du diable? What are you doing in the camp of the devil? Lève-toi et viens. Stand up and come. Oui. Yes. Acclamez. Clap. Qu'est-ce que tu fais dans le camp du what diable? What are you doing in the camp of the devil? Qu'est-ce que tu fais dans le camp du diable? What are you doing in the camp of the devil? Lève-toi et viens. Stand up and come. Tu es là assis sur le mensonge. You are sitting on lies. Parce que tu ne veux pas arrêter. Because you don't want to stop. Tu es dans le camp du diable. To be in the camp of the devil. Tu te nourris de la pornographie. You feed upon pornography. Tu penses que tu es intelligent. You think you are intelligent. Lève-toi et viens. Stand up and come. Lève-toi et viens. Stand up and come. Si tu es un rétrograde. If you're a backslider. On ne doit même pas te prier. We should not plead you. Reviens. Come back. Promptement. Quickly. Un rétrograde. A slider. Assis dans la salle. Lève-toi, tu reviens. Sitting in the hall, in the crowd. Stand up and come back home. On va maintenant prier pour eux. We are now going to pray for them. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui arrive? Is someone coming? Si tu es un frère, lève la main droite. If you are a brother, put up your right hand. Dis, nous arrachons toute personne. Say, we snatch anybody. Qui a décidé de se coller sur la chaise. Who has decided to stick on the chair. Pour résister à Jésus. To resist Jesus. Nous t'arrachons de la chaise. We snatch you. Et nous te donnons à Jésus. I will give you to Jesus. Nous t'arrachons de la chaise. We remove you. Et nous t'arrachons des mains de Satan. We remove you from the hands of Satan. T'arrachons des mains de démons. We snatch you out of the hands. Nous t'arrachons des mains de démons. We snatch you out of the hands of a demon. Nous t'arrachons des mains des esprits de mort. We snatch you out of the hand of a spirit of death. Nous te donnons à Jésus. And we give you to Jesus. Amen. Amen. Lève-toi et viens. Stand up and come. Oui, acclamez. Yes, clap. Elle était arrachée. She has been snatched. Qui autre? Lève-toi et viens. Who else? Stand up and come. Elle n'est pas la seule. She's not the only one. Qui autre? Who else? Qui autre? Who else? Qui autre? Who else? On va arrêter. We'll stop. Et on va commencer la prière. And we'll start the prayer. Qui autre? Who else? Acclamation à Jésus. Clap for Jesus Christ. Qui autre? Who else? Qui autre? Who else? Jésus Christ. Jesus Christ. Qui autre? Who else? Qui autre? Who else? Satan. Satan. Nous te chassons. We cast you out. Et nous t'arrachons les âmes. And we snatch your souls from you.
Lève-toi et viens. Stand up and come. Acclamation à Jésus-Christ. Clap for Jesus Christ. Qui autre? Who else? Jésus-Christ. Jesus Christ. Qui autre? Who else? Amour Jésus-Christ. Let us clap for Jesus Christ. Levez vos mains. Put up your hand. Dis Seigneur Jésus. Say Lord Jesus. Je te donne ma vie ce soir. I give you my life tonight. Je prie que tu pardonnes tous mes péchés. I pray that you forgive all my sins. Je les abandonne maintenant. I abandon all of them now. J'ai commis les péchés, je n'ai rien gagné. I've committed sins, I won nothing. Je n'ai rien gagné. I gained nothing. Et je te donne ma vie. And I give you my life. Je vais te servir. I want to serve you. Je préfère te servir. I better serve you. Que de mourir dans le péché. Than dying in my sins. Prends-moi. Lave-moi par ton sang. Wash me by your blood. Lave-moi. Wash me. Pose les mains sur ta tête. Lay your hand on your head. Dis Seigneur. Say Lord. Je viens avec des maladies. I'm coming with diseases. Et des blocages. And blockages. Aide-moi. Help me. Aide-moi. Help me. Guéris-moi. Heal me. Et délivre-moi. And deliver me. Deliver me. Au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Dis Seigneur. Say Lord. J'accepte. I accept. Qu'on me sépare. To be separated. De la malédiction qui règne dans nos familles. From the curse which is in my family. Dans la famille de ma mère, dans la famille de mon père. In the family of my father and my mother. Et dans les belles familles. And in my in-laws. Dis Seigneur. Say Lord. J'accepte. I accept qu'on me sépare to be separated de toute la sorcellerie, from all the witchcraft, la malédiction et la sorcellerie, and the curses, the witchcraft, au nom de Jésus-Christ. In the name of Jesus Christ. Amen. Amen. Asseyez-vous juste derrière. Go and sit down just behind me. Nous sommes en guerre contre les résistances. We are at war against resistances. On a imploré d'abord la grâce de Dieu. We have pleaded the. Et il a restauré. We have pleaded the glory of God and he has restored us. Et beaucoup ont été délivrés. And many have been delivered. On a jugé les résistances we des serpents. We have condemned the resistances of snakes. Et la mort. And death. Beaucoup ont été délivrés. Many have been delivered. Il reste les esprits des morts. It remains the spirit of death. Alléluia. Amen. Il reste les esprits de mort. It remains the spirit of death. On doit frapper. Will strike. Vous écoutez les témoignages. You listen to testimonies. Les gens ont des problèmes. People have problems. Les démons sont dans leur vie. Demons are in their lives. Et ils sont là. And they are there. Ils ne veulent pas céder. But don't want to leave. S'il y a quelqu'un, if there is someone, un homme ou une femme, a man or a woman, dans la vie de qui un mari de nuit résiste, in whose life a spirit husband is resisting, quelle que soit la raison, whatever the reason, d'abord s'il cite même une raison, son châtiment va augmenter. First, if he cause only one reason, his judgment will increase. Vous avez écouté l'histoire de la résurrection. You heard the story of the resurrection. Si Dieu a libéré sa mère qui est déjà au ciel pour venir juger. If God has
set free is Marvel, who is already in elle heaven. Vu avec une lumière. She saw in a light. Elle a dit au nom de Jésus, laisse ma fille. And she said, in the name of Jesus, leave my daughter alone. Et le combat est tellement rude que Dieu envoie les armées du ciel. And the battle was so hard that God is sending armies from heaven. Imagine ce que le démon fait quand nous le jugeons étant ici. What the demon does while we are condemning him while we are here. Si tu dis sors au nom de Jésus-Christ, amen. Tu dis on revient demain, ils sont contents. If you say go out in the name of Jesus Christ, amen, we are coming back tomorrow, they are happy. Mais si tu frappes, tu frappes. C'est là où ils viennent remettre les choses. Quand vous this voyez, is where they come and give back things. Que personne ne vous trompe. Let no one deceive you. Il y a la puissance dans la prière. There is power in the prayer. Ils viennent remettre. They come and give back. Vous allez voir. You will see. Nos vies. Our lives. Vont changer. Will change. Certaines choses qui étaient difficiles. Some things which were hard. Des choses difficiles à posséder. Some things hard to possess. Ces choses-là vont nous rencontrer. Those things are going to meet us. On ne va pas les poursuivre. We are not going to pursue them. Elles vont venir à notre rencontre. They will come and meet us. C'est ça la bénédiction. This is what is called blessing. Dis amen. Say amen. Le bonheur. Happiness. Va t'environner. Will surround you. La faveur des hommes. The favors of men. Va te rencontrer. Will meet you. Celle de Dieu. The ones God. La faveur et la grâce de Dieu. The grace and the favor of God. Vont te précéder. Will go before you. Donc l'ennemi. Your enemy. Il veut résister. He wants to resist. Nous sommes plus résistants que lui. We are more resistant than him. Lève ta main droite. Lève ta main droite. Put up your right hand. Dis-toi qu'on appelle mari de nuit. Say you who are called. Dis-toi qu'on appelle mari de nuit. Say you who are called spirit husband. Donc tu sais que tu n'es pas un mari. You know you are not a husband. Nous condamnons les mariages des ténèbres. We condemn the darkness, the marriages of darkness. Nous condamnons les mariages des ténèbres. Nous condamnons les mariages des ténèbres. Nous condamnons les mariages des ténèbres. Nous jugeons ce que tu appelles mariage. We condemn what you have done. Nous jugeons tout objet que tu détiens. We condemn anything that you nous jugeons possess. Tout objet que tu détiens. We condemn anything that you are keeping. Qui te fait croire que tu es un mari. To make you believe that you are a husband. Nous te jugeons. We condemn you. Nous jugeons tes projets. We condemn your projects. Et nous te chassons. We cast nous te frappons. We cast nous te chassons. We cast nous te frappons. We strike nous te chassons. We cast nous te frappons. We strike nous te chassons. We cast nous libérons les vrais mariages. We recover the true marriages. In the name of Jesus Christ. Nous brisons ton joug. We break your yoke. Nous te renversons. We overthrow you. Nous te dépouillons. We remove everything continue from à frapper. Your hands. Keep on praying. Va-t'en! Go away! Va-t'en! Go away! Va-t'en! Go away! Nous brisons ta résistance. We break your power, your resistance. Nous désorganisons ton royaume. We disorganize your kingdom. Au nom de Jésus Christ. In the name of Jesus Christ.
Va-t'en. Please sit down. Please sit down. Je garde le calme. And keep quiet. Si tu as les vertiges, if you are dizzy, c'est un démon qui s'en va. It means a demon is leaving. Si tu vomis, c'est un démon qui s'en va. If you are vomiting, it's a demon leaving. Tu bailles exagérément, c'est un démon qui if s'en you are va. Yawning exaggeratedly, it's a demon who is leaving. Si tu as la nausée, c'est un if démon you qui have s'en nausea, va. It's a demon which is leaving. Si une toux. If you cough. Toux anormal. An abnormal cough. Dans ta main, demande que tous les démons qu'on a été chassés partent sans résister. All the demons which have been cast out leave without resistance. Nous brisons toute résistance. We break any resistance. Merci Seigneur. Thank you Lord. Acclamons pour Jésus-Christ. Let us clap for Jesus Christ. Avant de briser les maladies. Before breaking. Est-ce que Josias en prend? The diseases.
avons 156 000, c'est un don. 156,000 francs. Which is a sum of two gifts coming from Gabon and France. Tu as quelque chose. On a besoin de 194,000. We need 94,000 francs to add to what we have so that we may sell deliverance of poverty à 1,000 francs, deliverance of poverty, la vraie repentance à 1,000 francs, true repentance, et 500, and 500, the overthrow of idols. Quelque chose à donner. Who has something to give? Rapidement. Quickly. Les premiers sont toujours rares. The first one are always scarce. Il y a des choses qui seront possibles. L'an prochain. There are things which are going to be possible next year. Un homme d'affaires peut résoudre tout ça. One or two businessmen are going to set this out. Un planteur comme Billy. Oui, prenez rapidement. Come quickly. Il faut parler parce qu'il y a des gens qui sont capables de te dire d'aller t'asseoir. Ils vont voir ça avec toi après. Quel livre? Si tu as 1,000 francs, tu viens. If you are 1,000, come. Tout le monde est derrière lui.
commencer à distribuer sans perdre le temps. Le livre. Qui veut la vraie repentance? Qui veut les deux livres? Who wants the two books? Ok. Commencez. Mon frère, repentance. Non, inutile de faire deux rangs. Ok, merci. Ok, thank you. On n'a pas eu la chose.
Ok, chacun reprend, que chacun reprend sa place. Go back to your seat. So let us stand up. Si tu as prié, if you have prayed pour ta guérison, for your healing, ce soir, tonight, tu ne vas pas prier. We are not going to pray. Tu vas rendre grâce à Dieu. You'll give thanks to God. Profondément. Deeply. Alléluia. Amen. Tu poses les mains sur ta tête. You lay your hands on tu dis, your je te rends grâce. You say, God, I give you thanks. Pour ma guérison. For my healing. Je t'ai invoqué. I've called upon you. Et j'ai la foi. I have faith. Que tu es fidèle. That you are faithful. Et cause avec ton père. Chat with your father. Parle-lui profondément. Speak to him deeply. La Bible dit. The Bible says de présenter les besoins avec des prières et des supplications. To make your to pray with petitions. Avec des actions de grâce. And thanksgivings. Dis-lui merci. Say thank you to him. Parce qu'il a permis que tu parles à ses oreilles. Because he allows you to speak to his ears. Oh Père, je sais que tu m'as exaucé. Oh Father, I know that you have granted me. Oh Père, je sais que tu as entendu ma voix. Oh Father, I know you have heard my voice. Oh Père, je sais que tu as entendu ma voix. I know you have heard my voice. Oh Père, je sais que tu es un Dieu fidèle. Oh Father, I know you are a faithful God. Merci, merci. Thank you very much. Merci, merci, merci. Thank you, thank you. Continue, continue. Keep on praying. Écoutez. Listen. Le Seigneur demande que ce soit fait pour tous les sujets. The Lord is asking you to do it for all the topics. Le Seigneur veut que ce soit que ça aille au-delà de la guérison, que ce soit tous les sujets, tous les sujets qu'on a élevés, qu'on lui rende grâce. The Lord wants us to give thanks for all the topics that we have raised to him. Merci Seigneur. Oh Seigneur. Parce que Seigneur, nous a délivré de la mort, nous a délivré de la maladie, Seigneur. Nous a délivré des femmes et des maris.
Jésus. Merci, Seigneur. La restauration. Merci pour le renouvellement. Merci pour la vie. Merci pour la restauration. Merci pour la restauration. Merci pour la restauration. Merci pour toutes choses. Oh, merci pour les anges. Merci. Oh, merci pour les anges. Oh, merci. Merci. Oh, merci. La vie. Merci la vie. La grâce de ton amour. L'élévation de ton foi. Une famille que tu délivres. La respiration de ton amour. Merci la barrière que tu brises. Applaudissons pour le Seigneur pendant qu'on dit merci. Let's applaud for the Lord. Merci, merci, merci. Thank you, thank you, thank you, thank you. Merci, merci. Thank you, thank you. Merci. Thank you. Merci. 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 Tu peux t'asseoir. You can sit down. Un témoignage. One testimony. Si tu as un témoignage, viens. If you have a testimony, come. Donnez-lui le micro. Give him the microphone. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Kouadiane, disciple du pasteur Meunier. Je voudrais commencer par la fin. Tout à l'heure, quand on a rendu grâce, on a rendu grâce, qu'on a applaudi, j'ai entendu, je vous ai exaucé, j'ai entendu. Ce que j'ai entendu, c'est, j'ai entendu vos actions de grâce, je les reçois, je vous exaucerai encore davantage. Maintenant, je vais restituer ce que je n'avais pas pu faire hier, où j'avais été bloquée. Hier, il y avait deux visions que je devais donner, et puis vraiment, c'était le block-out total. Gloire à Dieu. Quand hier, le pasteur nous a conduit dans une prière contre la pauvreté, quand on chassait les esprits de pauvreté, on les chassait. Et il a demandé qu'on détruise les trônes, les temples de la pauvreté. Et effectivement, les trônes et les temples tombaient. Ça avait été rasé. Les temples de la pauvreté, vraiment, tout avait été rasé, 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 rasé. Et puis, les gardiens de ces temples-là, ils se sont mis à l'écart, ils étaient surpris, ils se demandaient, mais qu'est-ce qui nous arrive? Mais pourquoi est-ce qu'on nous chasse? Pourquoi? Pourquoi? Et puis un feu est descendu pour les consumer. Alléluia. Et après ça, sur le site ici, il y avait des billets qui descendaient comme ça. Des billets qui descendaient. Des billets qui descendaient. Et puis, cette vision est passée.
Et le pasteur nous a conduit ensuite à prier pour des enfantements miraculeux. Et nous avons prié. Au fur et à mesure qu'il donnait le sujet, il y avait des enfants qui suivaient le pasteur qui était derrière, de petits enfants. Au fur et à mesure qu'on priait et que la prière s'intensifiait, les enfants devenaient de plus en plus nombreux. Parce qu'il était question de prier pour des enfantements miraculeux. Là où il ne devait pas avoir d'enfants, il faut qu'il y ait des enfants. Et effectivement, les enfants, au fur et à mesure, il y avait des enfants. Gloire à Dieu. Et maintenant, pour ce soir, quand on a commencé, j'ai entendu, c'est comme un ordre que le Seigneur donnait aux anges. Descendez, allez secourir ce peuple pour un ratissage définitif. Alléluia. Et le combat a continué, donc on n'était plus seul. Vraiment, le Seigneur nous conduisait dans le combat à travers ses anges. Et puis, des tentes, ils sortaient des serpents, des souris qui partaient au fur et à mesure. Et quand le pasteur a dit, il faut qu'on prie pour quel que soit l'endroit où il se cache, il faut qu'il soit déniché pour être détruit. Dans les forêts, quand il a cité les lieux, dans les forêts, dans les eaux, je voyais une lumière étincelante dans les forêts, dans les eaux. Partout, ces esprits pouvaient se cacher. La lumière les touchait pour qu'ils soient complets, pour qu'ils soient brisés. Partout, cette lumière les poursuivait. Même sous les rochers, cette lumière les poursuivait pour qu'ils soient complètement détruits. Alléluia. Et après, on a prié pour détruire les esprits des serpents. Et il a dit, des gens ont adoré les serpents. Le serpent n'est pas Dieu, n'est pas un Dieu pour qu'on l'adore. Alors, j'entends une voix, mais si je ne suis pas un Dieu, pourquoi vous m'aviez adoré? C'est le serpent qui répond, parce qu'il n'est pas prêt à partir. Si je n'étais pas un Dieu, pourquoi ce peuple-là m'avait adoré? Et nous avons commencé, nous avons continué à les tailler en pièces, à les juger, à les chasser. Et puis, quand le pasteur a dit, nous coupons la tête du serpent, un gros serpent, mais vraiment énorme, sa tête a été coupée. Puis je voyais des gens qui le traînaient. Alléluia. Et puis une autre vision, on a prié pour nos familles, pour que tous les dieux, on a prié pour que tous les dieux qu'on adore dans nos familles, tous les dieux là soient jugés. Chacun a prié pour les dieux de sa famille. Et nous avons prié, et nous avons proclamé que le règne de Jésus soit dans nos familles. Et effectivement, après ça, je voyais dans mon village et dans plusieurs localités, les gens qui étaient contents d'avoir été délivrés par ces dieux-là, d'avoir été délivrés, ils étaient heureux. Et puis, ils chantaient des cantiques chrétiens dans toutes les rues du village. Les gens étaient, ils étaient en groupe, ils chantaient, ils louaient Dieu. Parce que la plupart, vraiment étaient contents d'être délivrés. Parce qu'avec ces dieux, ils étaient dans la pauvreté, ils étaient dans la misère. Et avec le Jésus-Christ, ça va être vraiment l'allégresse générale, ça va être la prospérité. Je voudrais dire merci au Seigneur pour cette grande délivrance qu'il a accordée ce soir à son peuple. Que toute la gloire lui revienne. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu, je suis la sœur Hortense Colladé. Quand le pasteur a dit, je vous mets sur votre hauteur, j'ai vu quelqu'un de grand tomber devant moi et il s'est traîné, il a fui. Je rends vraiment gloire à Dieu au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Mramou Félicité. Mon faiseur, c'est Michel Eneka. Je voulais dire merci à Dieu qui m'a délivré. Gloire à Dieu. Quand on a commencé le combat, que le pasteur a commencé de prier pour que les mauvais esprits sortent au milieu de nous. J'ai vu que au milieu des semaines, tous les semaines, on avait canne, ça les dépasse. Tous les semaines. À un moment donné, je voyais un animal qui est sorti au milieu d'eux. Mais l'animal, tous ses dents sont au dehors. Au moment où il est descendu, il voulait descendre l'escalier. Même chose qu'il canne qui est dans la main des semelles, là, s'est quitté en haut, ça l'a tranché en deux.
et il est resté sur le champ. Gloire à Dieu. Madame, ma deuxième tableau, moi-même, je ne me portais pas bien, ça fait près de 4-5 mois. Je n'arrive pas à saisir mes pieds. Maintenant, quand le pasteur a commencé, on n'a qu'à prier pour les esprits de mort. Il y a quelque chose qui saute dans mon bas-ventre depuis. Donc, quand j'ai imposé ma main, j'ai commencé à invoquer cet esprit-là. Faut sortir, faut sortir, faut sortir. Je voyais une femme qui est sortie à moi. Quand le pasteur a dit que tu es exposé à la croix, elle est couchée sur son dos devant la croix. Et la croix a envoyé le feu. Il a consumé cette femme-là. Et il m'a donné la victoire sur cette femme. Je lui rends grâce, l'honneur, la gloire, l'élévation. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Moi, c'est la merveilleuse soeur Mangouachi, à l'église, le professeur pasteur Velasco. Le 20e jour, pendant qu'on priait, papa a demandé à ce qu'on prie pour le mariage. Et je me suis refroidie un peu, je me suis assise. Je dis, bon, on a déjà prié pour le mariage. Et pendant que je disais cela, le Seigneur m'a rappelé un songe que j'avais reçu après ma repentance. Et dans le songe, j'étais dans mon ancienne école et c'était comme une dot. Et pendant qu'il y avait tous les présents de la dot qui étaient là, et on attendait la mariée. Et j'étais prête, je me suis avancée, mais j'ai vu comme une autre femme. Et d'autres personnes disaient, la mariée est arrivée. Et les frères, mes frères de la CMC disaient, non, ce n'est pas elle, ce n'est pas Ecclésia. Et le Seigneur m'a montré le songe. Donc tout à l'heure, pendant qu'on priait, quand papa a dit de prier, si tu es malade, prie. Si tu as un problème, prie. Pendant que je priais, le songe m'est revenu, j'ai commencé à prier. Et le Seigneur et papa demanda ce qu'on mette la poussière sur les esprits. Pendant que je mettais la poussière, j'ai vu un esprit transparent d'une femme devant moi. Elle était recouverte d'une poussière entière et elle prenait la fuite, elle partait. Je veux rendre toute la gloire au Seigneur pour cette délivrance. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Kwaku Rosalie. J'ai pour faisait de disciples la sœur Baboza Suzanne. Pendant qu'on priait, papa a demandé qu'il nous mette au lieu élevé. J'ai vu un poisson qui sortit de l'eau. Et quand il est sorti de l'eau, après beaucoup de poissons sont sortis. Au fur et à mesure, les poissons sortaient. Et le Seigneur me disait que c'est la moisson. Amen. Gloire à Dieu. Je suis le frère Janvier, disciple du frère Emmanuel. Je veux dire merci à Dieu qui nous a vraiment établis sur nos lieux élevés. Amen. Il faut dire depuis quand papa nous a conduit de demander pardon à Dieu pour les idoles. Et j'ai fait une vision. Dans cette vision, quand on priait, c'est comme s'il y avait des pierres précieuses qui quittaient au ciel. C'est-à-dire Dieu a donné des pierres qui devaient descendre. Et quand ces pierres descendaient, j'avais des couches qui bloquait ces pierres précieuses. Et Dieu me faisait comprendre que quand les idoles ont rempli le cœur, c'est difficile. Et quand papa a dit de continuer à demander pardon pour les idoles, ces couches se sont fondues, le chemin s'est frayé. Et ces pierres descendaient dans la peau de chacun. C'est-à-dire, tous ceux qui étaient sur la bâche recevaient une pierre précieuse à la main droite. Et quand tu reçois la pierre, quand tu reçois la pierre, il y a comme une lumière qui te propulse vers le ciel. C'est-à-dire que tu montes, c'est comme une puissance qui te fait monter. Donc, chacun montait à ses yeux élevés. Et dans ses yeux élevés, je voyais d'autres personnes qui avaient des véhicules, d'autres avec des maisons, d'autres ce sont des mariages. Et la dernière partie, il y avait même des promotions spirituelles. Il y a des personnes qui recevaient des badges pour des promotions spirituelles. Alléluia. Je voulais infiniment dire merci à Dieu qui nous a vraiment exaucés. Que ce nom soit béni. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Nyadré Rabé Dorcas. Je vous faisais l'ancien frondeau de Benjéville. Je dis merci au Seigneur qui m'a délivré de l'esprit de mort tout à l'heure. Ma grand-mère est décédée. Nous sommes partis pour les funérailles en janvier au village. Et après les funérailles, avant de rentrer, ils ont ouvert sa valise et ils m'ont tendu un pan, le pan de ma grand-mère. Donc, après, j'ai dit, moi, je ne prends pas, que moi, je suis un enfant de Dieu. Et j'ai donné ça à quelqu'un d'autre.
quand je suis rentrée à la maison, j'ai fait un songe où dans le songe, ils sont venus me remettre quelque chose. Je ne peux pas appartenir à la sorcellerie. Et j'ai refusé dans le songe. Ils disent, moi, je ne peux pas appartenir à la sorcellerie. Je refuse. Et quand je me suis réveillée, d'abord dans le songe, elle a dit, tu refuses. J'ai dit, oui, je refuse. Elle dit, OK. Et quand je me suis réveillée, depuis le mois de janvier, c'est maladie, maladie, maladie. J'arrivais même plus, même l'assemblée à la maison. J'arrive même pas à m'asseoir, même l'assemblée pour prier. Je suis dans la chambre. Maladie, maladie. Et tout à l'heure, quand on priait, j'ai ressenti une fraîcheur. Où le pasteur a commencé à prier, l'esprit de mort. J'ai ressenti une fraîcheur. La fraîcheur me faisait trembler. Il comprenait. Il était devenu glacé. Et quand il a demandé qu'on s'asseye, je me suis assise. Et quand je me suis assise, je ne me sentais plus. Je n'arrivais plus à respirer. Ma respiration ne descendait plus. J'étais restée. En tout cas, j'étais essoufflée. Et je suis tombée à genoux. Et les frères m'ont envoyé de l'autre côté. Et on a prié. Lorsque l'équipe de délivrance a prié, recevait de mon esprit, que je te délivre de l'esprit de mort de ta grand-mère. Je dis merci au Seigneur qui m'a délivré de l'esprit de mort. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Bakayoko Ruth et j'ai pour faire le disciple pasteur Jean-Paul Zenta. J'aimerais vraiment être reconnaissante au Seigneur, celui là même qui m'a délivré de la rébellion et de l'esprit de colère. Il faut dire que je ne voulais pas me soumettre au Seigneur parce que j'avais peur de souffrir. Et le Seigneur me demandait de supporter une douleur, de supporter. Et moi, je ne voulais pas. Et j'avais fait un songe dans ce sens-là, où le Seigneur m'avait montré l'idole qui avait ouvert des portes à Satan d'entrer dans ma vie. Et depuis ce matin, c'est comme si c'était ça qui se produisait, les scènes où le Seigneur me rappelait cette idole-là. Et quand papa a pris le micro, papa a commencé à dire de supporter les souffrances, de ne pas fuir. Et je ne voyais même pas papa, je voyais juste le Seigneur qui était en train de me parler à moi personnellement. Et quand j'ai commencé à dire au Seigneur que j'essaie de m'humilier, j'essaie de supporter la souffrance pour toi, mon cœur a commencé à me serrer et l'équipe de délivrance est venue me prendre, je suis tombée. Et ils ont commencé à juger la rébellion et la colère. Et après cela, je me suis sentie légère et comme réconciliée avec le Seigneur, une joie qui m'a habité. Et mes opinions de ne pas supporter la souffrance, de ne pas m'humilier, ont changé. Au nom de Jésus-Christ, amen. Acclamation à Jésus-Christ. Clap for Jesus. Acclamons Christ. Avec des cris de joie. Let us clap with shouts of joy. Suivant. Gloire à Dieu. Moi, c'est la sœur Claudine Yepoufezer, Gazoua Déborah. Il voulait vraiment être reconnaissante au Seigneur. Tout à l'heure, quand papa priait, il a dit que il y a les gens que leur don de vision et prophétie a été envoûté. Et en même temps, je me suis vue tomber. Et ils m'ont envoyé chez la main de la délivrance. Pendant qu'ils priaient, c'est comme il y avait un poids sur ma poitrine. Et ils priaient, j'ai commencé à rendre. Quand j'ai fini de rendre, le poids a disparu. Et après, je me suis ressaisie et suis venue à ma place. Ma tête me faisait fortement mal. Et je suis retournée. Quand je suis retournée, ils ont commencé à prier. Pendant qu'ils priaient, j'ai vu qu'il y a une voile qui a quitté sur ma tête. Et après avoir quitté, le mal a disparu. Je suis vraiment reconnaissante au Seigneur qui a eu compassion de moi pour sa gloire. Et aussi hier, pendant qu'on priait pour la pauvreté, il y a quelque chose qui est sorti de ma paume. Je voulais dire merci au Seigneur qui me délivre pour sa gloire. Au nom de Jésus-Christ, amen. Gloire à Dieu, je suis la sœur Zanou Bertine. J'ai pour faire des disciples le pasteur Yao Luc Abediala. Et ce soir, je veux dire merci à Dieu, lui qui vient de me délivrer de la mort. Tout de suite, quand le pasteur priait et qu'il a dit, par ignorance, tout ce que le diable nous a volé, on n'a qu'à arracher. En même temps, j'ai commencé à tousser, à tousser, à tousser. Et il y a une salive grillante qui a rempli ma bouche. Quand je suis allée verser, j'étais là-bas en train de verser. Et les frères sont allés me chercher. Et quand ils ont commencé à prier pour moi, et il y a un esprit de mort qui s'est manifesté en disant que
On me l'a vendu. Que ses soeurs, ses frères me l'a vendu. Je ne vais pas. Et les frères l'ont jugé. Et il est parti. Je vais rendre toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ qui vient de me délivrer de la mort. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Acclamons Jésus-Christ. Let us clap for Jesus Christ. Gloire à Dieu. Je me nomme Amapi Valérie Flore. Mon faisait de disciple, c'est papa Aïssan. Quand papa a dit qu'on n'a qu'à prier pour dire au Seigneur qu'on n'est rien, on n'est rien, on n'est rien, vraiment, j'étais arrêté et un coup, j'ai fait crouler mes deux genoux. Il faut dire que dans ma vie, quand je ne connaissais pas le Seigneur, je suis quelqu'un qui était orgueilleux, arrogant, rempli de colère. Même à cause de colère, j'ai bu pétrole pour me suicider. Et quand papa a dit, on n'a qu'à prier pour supplier le Seigneur, pour dire qu'on n'est rien, qu'on s'abandonne à lui, on se rend à lui. En même temps, mon cœur a secoué. Et puis j'ai senti la compassion de mon papa Jésus dans mon cœur. Et j'ai commencé à pleurer. Quand j'ai commencé à pleurer, le pleur était intense. Et le groupe de délivrance sont venus me chercher pour aller derrière. Quand ils ont commencé à prier pour moi, mon cœur partait au-dedans de moi. Et il y avait une force mauve qui est sortie mon nez côté gauche. C'était long comme ça. Et après, c'est tombé. Donc, je vais dire merci au Seigneur parce que j'ai été délivré de la colère et l'orgueil. Amen. Gloire à Dieu. Je me nomme Corée Pénier. Je suis venue avec ma grande sœur. Lorsque papa a dit qu'on n'a qu'à prier pour arracher tout ce que l'ennemi nous avait arraché, je tente de prier et puis maintenant, j'ai commencé à crier. Et puis, les équipes de la délivrance sont venues me chercher. Lorsque j'ai commencé à prier pour moi, j'ai vu une vieille qui ressemblait à ma grand-mère qui est venue. Et puis elle a dit qu'elle est fatiguée, que depuis là, elle a pris ce qui m'appartenait, qu'elle n'arrive pas à ma voix. Donc là, elle est venue me donner. Maintenant, lorsqu'on est parti, elle dit de l'attendre, elle va rentrer dans la forêt pour aller chercher ce qu'elle m'a pris. Maintenant, lorsqu'elle est rentrée dans la forêt, elle est partie chercher. Je l'attendais jusqu'à ce qu'elle ne venait pas. Maintenant, après, elle est venue avec un calebasse qui contenait les choses qui appartenaient à mon papa aussi. Donc, elle est venue, elle dit, tiens, que voici ce que je t'ai pris, que depuis là, j'essaie, je n'arrive pas. Donc, tiens, je m'en vais. Donc, j'aimerais remercier l'Éternel qui m'a guéri et qui m'a délivré au nom de Jésus. Acclamons Jésus-Christ. Let us clap for Jesus Christ. Gloire à Dieu. Je m'appelle Akagé Emmanuela. J'ai posé frère Serge. Je veux dire merci à Dieu lui qui m'a délivré d'esprit de serpent. Quand papa tout à l'heure, papa a dit on a qu'à prier pour esprit de serpent, j'ai commencé à voir vomi. Et puis les gens de délivrance sont venus me chercher. Quand ils sont partis pour prier, j'ai vu comme vision, j'ai vu comme vision une épée qui était au ciel et puis a coupé la tête de serpent. Et puis, il ne s'est pas arrêté. Il a fendu le ventre de serpent. Il y avait l'argent, il y avait bague de main, il y avait tout. Et l'esprit, j'attendais dans mon esprit. Prends tout et te donne tout et te donne tout. Et puis l'esprit est parti. Je veux dire merci à Dieu, lui qui m'a délivré d'esprit de serpent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Andrea William. Je voudrais être infiniment reconnaissante au Seigneur qui délivre. Frère, il faut dire que cette croisade est ma croisade. Cette croisade est mienne. Je suis venue à cette croisade avec une soif intense de la délivrance. Et depuis hier, le Seigneur est en train de vrai dans ma vie. Hier, tous les sujets que papa élevait, les esprits se manifestaient. Il y avait l'esprit incarné de ma grand-mère, de mon grand-père et plein d'autres, avec beaucoup de maux dans le ventre.
Mais hier, le Seigneur a commencé à me délivrer. Et tout à l'heure, pendant que papa énonçait les prières, chaque sujet s'en suivait de bâillement, de bâillement, de bâillement, jusqu'à tout à l'heure. Après la vente des livres, lorsque papa a demandé de rendre grâce au Seigneur pour tous les sujets que le Seigneur avait exaucés, je recevais en mon cœur, « Je t'ai exaucé, tu es restauré, tu es délivré. » Amen. Amen. Jésus-Christ, acclamation. Clap. Gloire à Dieu. Je suis la sœur Zahir Konan Geneviève. Mon faisant de disciple, c'est le pasteur Seri. Je viens de San Pedro. Pendant que nous étions en train de prier sur le sujet des maris de nuit, pendant que nous avons commencé, je me sentais faible. Et quand papa insistait, prions pour les résistances, j'ai eu des vertiges. Et je me suis assise. Et papa a dit que si vous avez des vertiges et que vous baillez, ce sont les démons qui sont partis. Vraiment, je veux dire merci au Seigneur qui m'a délivré de ce mari de nuit qui résistait. Que l'honneur et la gloire lui reviennent. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous avons déjà fait la moitié du chemin. You have already gone the half of the way. Réviser le renversement des idoles. Revise the overthrow of idols. Et demander la plénitude du Saint-Esprit chaque jour. And ask the fullness of the Holy Spirit every day. Le Seigneur va faire ce que nous n'avons même pas imaginé. The Lord will do what we have not even imagined. N'oublions pas le but du combat. Let us not forget the goal of the battle. Le salut de nos familles. The salvation of our families. Les idolâtres. Some idolaters. Les familles idolâtres. Families who have idols. Maudites. Cursed. Pauvres et malades. Poor and sick. À cause du péché. Because of sin. À cause de l'idolâtrie. Because of idolatry. Et Dieu dit. And God says. Si vous revenez à moi. If you come back to me, si vous renversez les idoles, if you overthrow the idols, je vais vous délivrer. I will deliver de you tous vos ennemis. From all your enemies. Quand tu as prié, when you have prayed, ne doute plus. Don't doubt. Ne renversons pas les idoles avec une idole. Non, do not overthrow idols with another idol. Quand tu pries, tu dois croire. When you pray, you must believe. Tu dois croire you must believe que Dieu est fidèle that God is faithful et qu'il exauce les prières. And that he answers the prayers. Tu verras la suite. You will see what will follow. Il dit, ayez foi en Dieu. He said, have faith in God. Il dit, si nous sommes debout if you are up, en faisant la prière, praying, si nous croyons que ce que nous demandons if nous we a believe été donné, that what we are asking has been granted, nous verrons la chose s'accomplir. We'll see the things coming to life. Ça, c'est les lois de la prière. These are the laws of the prayer. Et puis, les frères tombent à ta gauche. And brothers are falling on your left. Ils tombent à ta droite. On your right. Ne pense pas que toi, tu n'es pas délivré. Do not believe that you are not delivered. Chacun a ses adversaires. Each one has his own adversaries. Le démon de ton, qui est chez ton frère. The demon which is in your brother. Peut partir sans bruit. Can go without noise. Quand on fait la délivrance. When we are doing the deliverance. Il y a des multitudes de démons qui fuient sans bruit. There are multitudes of demons who flee without noise. Sans bruit. Without noise. Il y a une autre qualité. There's another quality. Qui résiste. Which resists, bruyamment même,
with noise. Je ne pars pas, je ne pars pas, je ne pars pas. I don't want to leave, I don't want to leave. Ce n'est pas tout le monde qui a ce genre-là. It's not everybody who has this et kind. On chasse. And we cast them et out. Et il s'en va. And they leave. Il y a d'autres. There are some. Ils jettent la personne par terre. Throw the person down. Pour lui faire du mal. To make him evil things. Il y a même d'autres démons qui disent, je veux arracher son cœur. There are demons who say, I want to snatch, to remove on his heart. On délivrait une sœur. We were delivering a sister. Et crier, aïe, mon cœur, mon cœur. Le démon, je veux arracher son cœur. My heart, my heart. The demon wanted to remove her heart. On lui dit, laisse au nom de Jésus. When we say, leave it in the name of Jesus. Quand on chasse les démons, c'est une grande guerre. When we are casting out demons, it's a big war. C'est pour cette raison que parfois je demande du calme. This is why sometimes I ask you to keep quiet. Parce qu'un démon peut dire là, je vais la tuer, et vous vous êtes là seulement. Oh, 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 oh. Because the demon can say, I will kill her, and you are there crying, faut shouting. Calmer les jeux. You must calm the écoutez play down. Ce que les démons disent. And listen to what the demons are écoutez saying. Écoutez ce que le Saint-Esprit dit. And listen to what the Holy Spirit is saying. Si on se calme pas, je ne la laisse pas, je la laisse. Mais quand il y a les bruits, on n'entend rien. We do not keep quiet. He says, I'm not leaving air. And when there are noises, we cannot hear that. Quand quelqu'un manifeste les démons, when someone is manifesting demons, on ne doit pas laisser la personne dans la salle. We must not leave this person in the hall. Ça va gâter toute la réunion. It will spoil all the meeting. Parce qu'il y aura ici, sort, il crie, ah, l'autre est là. Et partout, les démons crient dans la salle, on ne peut plus out. Et on arrête la prière pour chasser d'abord les démons. Everywhere, things, demons are shouting. Donc, nous menons une guerre rude. So we are having a hard battle. Si un démon commence à crier, on l'enlève, on enlève la personne, on s'en va délivrer. If et on continue. Demon start shouting, we remove him. We go aside with là, the person la and we keep totale. On praying. Then the victory is completed. Si on les laisse dans la salle, if we leave them in the hall, déjà, quand ils sont juste à côté, là, on ne peut plus prier parce que nos oreilles sont là-bas. Sors l'autre, tu regardes d'abord que c'est quoi là-bas. When they are close to us, we cannot focus on the prayer. Vous savez, les jambes sont faibles. You know people are weak. Quelqu'un peut croire que comme on enlève les gens là pour aller délivrer, c'est la magie. Someone can think that. As we take people aside to go and deliver them, it's magic. Un faux prophète peut te dire là, un faux frère même, il est il peut être assis dans la salle. A false prophet or a false brother. Tu vois, on l'amène là-bas. Can say they are sending him aside. On l'amène là-bas. We send him over there pour continuer sans bruit. To keep on praying without noise. Il n'y a pas un secret dedans. There is no secret inside. Acclamation à Jésus-Christ. Clap for Jesus Christ. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Donc soyez concentrés. So remain focused. Cette nuit. This night. C'est les actions de grâce. Thanksgivings. Quand tu vas arriver, when tu rends grâce à Dieu. When you go home, you just give thanks to God. Les choses que nous entendons ici. About things that we are hearing here. Ce sont des choses que l'oreille n'a jamais entendues. Are humaine. things we are hearing here are things that ears have never heard. Alléluia. Amen. Les choses que nous voyons. Things we are seeing sont les choses que l'œil ici n'a jamais. Are things that eyes, these eyes have never seen. Rien que pour cela. Only for that. Que ceux qui écrivent les cantiques écrivent les cantiques. May all those who write songs write them. Que les poètes écrivent les poèmes. May the poet write the poems. Que ceux qui écrivent les livres écrivent les livres. Those who write the books. C'est une let science. Them write the books. It's a c'est science. C'est une sagesse. It's a wisdom. Il n'est pas de ce monde. Which is not from this world. Est-ce que nous sommes ensemble? Are we together? Donc, tenons-nous debout. So let us stand up. Pose les mains sur ta tête. Lay your hand on your head. Dis, je cache toutes les bénédictions say, dans I le sang de Jésus. All the blessings in the blood of Jesus. Dans le sang de Jésus. In the blood of Jesus. Je protège tout ce que j'ai reçu. I protect all that I have received. Depuis le début de la croisade. Since the start of the crusade. Jusqu'à ce jour.
till today. Tu sais, même si tu n'es pas là tous les jours. You know, even if you are not here every day. Tu es dans la bénédiction de 40 jours. You are in the blessing of the 40 days. C'est le combat de l'église. It's the battle of the church. Ce n'est pas le combat d'un individu. It's not the battle of an individual. Là où nous sommes. In our state. Si Dieu exauce un seul d'entre nous. If God grants one, only one of us. Ça entre dans le compte de tout le monde. It goes into the account of everybody. C'est pour cette raison que la prière de l'église est importante. This is the reason why the prayer of the church is very is important. Même ceux qui ne sont pas ici avec nous. Even those who are not here with us. S'ils sont en ligne. Even there are, if there are online. Ils entrent dans la même bénédiction. They enter the same blessing. Est-ce que nous sommes ensemble? How are we together? Dis, je protège tout ce que j'ai reçu. Say, I protect all that I have seen. Je protège le cœur que j'ai reçu. I protect the heart that I have received. Je protège la foi que j'ai reçue. I protect the faith I have received. Parce que les témoignages que nous entendons. Because the testimonies that we are hearing. Aiguise notre foi. Sharpens our faith. Et les œuvres que nous voyons. And the works that we see. Aiguise notre foi. Sharpen our faith. Quand on te présente un bébé. When you are presented a baby. Que pendant qu'on priait ici à la croisade, j'avais reçu un bébé en vision. Saying that while we were praying here during the crusade, I had received a baby in a vision. Et quand je suis rentré, and when I have gone, I went back j'ai home, conçu, voici ce bébé-là. I received him. Quand tu as vu ça, when you have seen that, tu ne peux plus être le même. You cannot be the same. You si cannot Dieu te rend témoin if God d'une chose, is witnessing you, is making you a witness of a thing, ce qui t'a enrôlé. It means that he has. Dieu ne peut pas faire ça pour rien. God cannot do it for nothing. Si Dieu te fait entendre une chose inhabituelle. If God makes you hear something which is. Tu ne peux plus être le même. You cannot be the same anymore. Même si tu es faible. Even if you are weak. Tu seras fort. You'll be strong. Certains pensent que les bénédictions c'est seulement l'argent. Attention. Something that blessing is only money, please. Il y a des rangs spirituels. There are spiritual positions. Il y a des gens ici. There are people here. Qui vont aider beaucoup de personnes. Who will help many people. Tout simplement parce qu'ils ont vu. Only simply because they have seen. Un jour. One day, je lisais un traité. I was reading a tract. C'était le témoignage d'un frère qui était mort. It was a testimony of a brother who had died. Il dit, were dead, so. Et le frère priait pour lui. And he said brothers were praying for him. Lui, il était mort. He was au dead, niveau physique. Physically dead. Mais dans la réalité spirituelle. But into the spiritual reality. Il voyageait, il effectuait un voyage à he pied. He was going partait, on a trip. Il partait, he il partait, was, il partait, he was going, he was going, il partait, was going. Il partait. He was going. Et puis il a entendu. And he heard. Quelqu'un l'appelait. Someone called him. Quelqu'un l'appelait. Someone was calling him. Dès qu'il a regardé, as soon as turned back, il est revenu à la vie. He came back to life. Et and il regarde, il voit les frères qui prient. He looked and he sees brothers praying. On lui dit que tu étais mort. Tu and étais. He was told you were dead. J'avais retenu. I kept que si quelqu'un meurt, that if someone dies, on peut l'appeler, il ressuscite. You can call him and he rise from death. Un jour, one day, à Douala, in Douala. Une sœur est partie aux toilettes, elle est tombée. A sister went to toilet and she fell down.
On est venu m'appeler. I was called. Je la trouve I found glacée. Glacée. Cold. Quelqu'un qui vient de tomber glacé, Someone c'est la première fois que j'ai just fallen. She was cold. Oh, c'était la mort. It was death. Je me suis rappelé. I recalled myself. I remembered. Le traité que j'avais lu. The tracts that I had read. Je l'ai appelé trois fois. I called it three times. Elle est revenue à la vie. She came back to life. Et quand je l'ai appelé, and when I called her, elle est revenue à la vie et un frère a entendu, un frère à Douala, il aimait la délivrance. And a brother heard that he loved Dès qu'il a entendu un cri, j'ai crié, je ne peux pas crier le nom de la sœur ici. When he heard that I shout the name of a sister, I cannot do it. Yeah? Il m'a rejoint. He joined me. Il m'a demandé c'est quoi. And asked me what's happening. Là, la sœur était déjà assise. The sister was already sitting. Et elle regardait comme ça. And she was watching me like Et this. Et puis elle a dit, hey, la sœur, je m'en vais. Elle avait and vu une sœur qui était décédée. Si Seigneur, mais I'm leaving. Donc, elle voyait la sœur. Elle dit, she que je m'en vais. Je lui dis, ne va pas. A deceased sister. I said, don't go. Si elle partait, c'est la mort. If she left, it was death. J'ai demandé à l'esprit, qui es-tu? I asked the spirit, who are you? Il dit la mort. And il n'a said, pas dit l'esprit de mort, il dit he la said, mort. Death, not the spirit Va-t'en! Of Go away! Au nom de Jésus. In the name of Jesus Pam. Christ. Pam! Elle s'est réveillée. And she woke up. Quand vous écoutez les témoignages, when you are listening to testimonies, tous ceux qui ont ressuscité, les gens disent, on l'a appelé. Ça vient d'une expérience. Where does it come from? Les gens qui avaient vu from an experience of people un frère mort, a dead brother, qui l'ont appelé, they called him, il est ressuscité, he rise from death, et quelqu'un a écrit un traité, someone wrote a j'ai tract, lu, I read, ça m'a aidé, it helped me, maintenant ça aide tous nos now disciples. It's helping all our disciples. Tu ne seras plus le même. You will not be the same. C'est pour ça que Dieu t'a amené. Tu ne seras plus le même. This is why God has sent you. You will not be the same. Un démon ne peut pas te mettre dans l'avion déposé à Abidjan. A demon cannot put you in the plane and drop you in Abidjan. No. Pour que tu viennes voir les gens qui disent Jésus m'a délivré, Jésus m'a For sauvé. For you to come and see people who say Jesus has delivered me. Satan t'envoie en mission. Satan will send you on mission. Pour glorifier le nom de Jésus. To glorify the name of Jesus. Ça n'existe pas. It does not exist. Je te bénis au nom de Jésus. I bless you in the name of Jesus. Je bénis ceux qui sont déjà rentrés. I bless those who have already gone home. Le but pour lequel Dieu leur a fait voir ces choses. The goal for which God has et entendre ces choses. See and hear those things. Ça va s'accomplir. Will come to life. Will happen. Ça va s'accomplir pour chacun. It will happen for each of us. Pour le ministère. For the ministry. Et pour les autres églises. And for the other churches. Des autres dénominations. The other denominations. Parce que notre ministère n'est pas une secte, ce n'est pas fermé. Because our ministry is not a sect, it's not closed. Acclamation à Jésus-Christ. Clap for Jesus Christ. Avec des cris de victoire. With shouts of victory. Si nous proclamons que les desseins de Dieu vont s'accomplir, dans ma vie, in my life, dans la vie de l'œuvre, in the life of the world, dans la vie des autres églises, in the life of the other à travers churches, le monde, throughout the world, au nom de Jésus de Nazareth. In the name of Jesus Nazareth. Amen. Amen.